Yo, salutations à toi, famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben, écoute, moi ça va. Ça va très bien d'ailleurs. Ça va excellemment bien. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Merci de tout ce que vous m'avez apporté, on va dire. Un message, soutien, réconfort, chaleur que vous m'avez donné pendant cette longue période. C'est la deuxième vidéo hein, dans laquelle je me donne, on va dire, ces malins plaisirs de vous remercier surtout parce que c'est fut énorme pour moi. Dans cette vidéo, family, on parlera des avantages d'Internet ainsi que le désavantage de l'Internet, bien sûr, dès la connexion Internet. On va dire, je vous reviens juste après l'intro et on en parle bang bang. Voilà, famille, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la connexion Internet ainsi que des diverses plateformes, on va dire, des réseaux sociaux carrément. Au jour d'aujourd'hui, je m'adresserai plus aux étudiants, plus aux personnes qui se cherchent encore pour se faire de l'argent, qui cherchent encore toutes les possibilités pour essayer de faire mieux, on va dire. Ce qui est un tout petit peu difficile d'emblée pour le jeune, carrément. Pourquoi? Parce que actuellement, nous avons une certaine difficulté à pouvoir nous disponibiliser pour une formation quelconque, dans le but, on va dire, hein, d'embellir, soit de prévoir, de prévenir un avenir beaucoup plus meilleur pour nous, on va dire. On aime bien et actuellement, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fréquent, on va dire, et assez visible. Ce qui nous tombe sous la main, là, sur le moment. On ne calcule plus, on va dire, hein, on va dire sur une échelle de, voilà quoi, du lendemain au futur beaucoup plus lointain. On ne calcule plus carrément. Nous sommes trop hâtés et nous arrivons plus, on va dire, hein, à nous fixer des objectifs cohérents, hein, qui pourront nécessairement embellir notre futur, ce qui est un peu dommage. En fait, je reviens sur notre sujet pour ne pas m'éterniser là-dessus. L'Internet, la connexion Internet, elle est bonne. Elle est bonne. Nous en profitons, nous qui sommes, on va dire, hein, en Russie, en Europe, en Amérique, un peu disséminés à travers, on va dire, hein, l'Occident, ce qui n'est pas assez le cas pour ceux-là qui sont en Afrique, on va dire. Bon, il y a certains pays qui sont exemptés, bien sûr, mais je martèle plus sur l'utilisation, on va dire, de la connexion Internet. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai remarqué, on m'a envoyé deux, trois vidéos dénonceurs carrément. Ça m'a touché en fait, ça m'a touché, ça n'a pas été beau à voir et ce ne sera pas correct également de ma part de vous le balancer, on va dire, hein, sur cette vidéo et pour ne pas me voir hein, striker, on va dire, hein, la vidéo, soit la chaîne, raison pour laquelle je m'abstiens carrément de le balancer. Je me suis dit, hein, pourquoi ne pas en parler? Tout simplement avec un cœur beaucoup plus léger. Mais bon, j'en parle parce que cela m'a touché en fait. L'utilisation de l'Internet, soit de différentes plateformes, que ce soit, on va dire, Instagram, TikTok, je parlerai des Snap, je parlerai des YouTube et tout. Non, ce n'est pas possible. Et qui plus est également de certains sites un peu coquins et tout. Bon, je dirais pas que voilà quoi, cela m'intéresse au plus haut point pour essayer de déballer tout ici avec vous, mais bon, c'est une vie hein, de tout un chacun. Je vous apporte mon observation et puis mon point de vue simplement. Je dirais, au jour d'aujourd'hui, on peut gagner sa vie grâce à Internet. La connexion à Internet, c'est un peu de l'or, on va dire, dans certains pays d'Afrique. Et ceux-là qui sont en Afrique voient plus, on va dire, hein, le bon côté de la chose par rapport à nous qui sommes, on va dire, en Europe, on va dire. En Europe, en Amérique, en Asie, bref, en Occident. Nous avons une certaine facilité à nous connecter. Nous avons une certaine facilité, on va dire, à passer des heures et des heures, on va dire, devant une émission, un film, on va dire une série, n'importe, on va dire programme que ce soit, pourvu simplement de passer le temps. Et moi, je pense réellement le temps que nous perdons là à passer devant des séries, des films, c'est ces temps-là qu'on devrait un tout petit peu consacrer à pouvoir nécessairement trouver quelque chose d'important, on va dire, à faire par rapport à cette connexion. Je ne vous apprends rien. Au jour d'aujourd'hui, on remarque
tout le jour, la naissance, soit l'arrivée de nouveaux influenceurs, de personnes qu'on appelle aujourd'hui influenceurs. Ce sont simplement de personnes comme moi et vous qui ont essayé de tirer le meilleur épingle du jeu pour se faire un peu de l'argent. Certaines personnes préfèrent se faire la renommée, on va dire. Mais après cette renommée, il y a l'argent, bien sûr, puisqu'on court derrière la renommée avec l'âge. Mais quand on prend en tout cas de l'âge, voilà, on recourt à l'argent, ce qui est normal en fait. Moi, ce que je vous demanderai, tout le monde n'est pas appelé, certes, à devenir youtubeur, à devenir instagrammeur, à devenir influenceur, que ce soit sur TikTok, sur Snap, sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez utiliser à bon escient, on va dire, votre temps ainsi que votre connexion Internet, puisque c'est de l'or dans beaucoup, alors beaucoup de pays. Et ceux-là qui sont là, je me répète encore, voient un tout petit peu l'importance, on va dire, de la connexion. Alors que nous, qui sommes ici, que ce soit en Russie, que ce soit à travers, on va dire, hein, l'Occident, nous en profitons pour simplement la futilité. Je vous dirai d'emblée, tous ceux-là qui cherchent, on va dire, à se faire de l'argent, s'il vous plaît, consacrez, ne serait-ce qu'on va dire, une petite heure de formation individuelle. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se sont lancées dans le trading, dans le dropshipping, dans tout ce qui est e-commerce. C'est à féliciter. C'est à féliciter. C'est un autre sujet. Je n'aimerais pas non plus déboucher dans ça, mais c'est que moi, je vous demanderai à vous de ne plus perdre autant de temps sur n'importe quelle plateforme, d'en profiter au fait. Si vous y êtes, c'est que vous y travaillez un tout petit peu. C'est ce qui est important en fait. Apporter quelque chose de plus, on va dire, sur n'importe quelle plateforme, j'ai envie de dire. Et au jour d'aujourd'hui, on peut gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux. Il y a tellement, tellement de personnes, je ne vous apprends rien. D'ailleurs, ceux-là qui sont H24 connectés, savent très bien. Il y a tellement, surtout, rien que en cette année 2020, il y a tellement, tellement eu de personnes qui se sont fait connaître, qui ont réussi carrément à bâtir une communauté grâce, on va dire, aux réseaux sociaux. Passer à chaque moment, on va dire, ces enjaillements, le fait de sortir en boîte, vos sorties, on va dire, dans des bars branchés et tout, c'est très bien, c'est votre vie, ça je respecte, normal. En lieu place de montrer très souvent, on va dire, ces genres de choses, prônez l'excellence, on va dire, soit utilisez ça, on va dire, pour atteindre beaucoup plus, alors beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à tout le monde, on va dire. J'ai envie de dire que nous avons tous une égalité parfaite. Pourquoi? Parce que nous avons Internet, nous avons la possibilité également, voilà, de passer devant la caméra. Au jour d'aujourd'hui, on va dire, hein, la parole est donnée à n'importe quelle personne pour pouvoir émettre son avis. Sur YouTube, je ne vous ferai pas remarquer cela, mais il y a tellement, tellement de personnes qui sont devenues des analystes, qui réagissent sur les chansons, qui essaient un peu de donner leur avis, qui essaient un peu, voilà quoi, ceux-là qui maîtrisent telle ou telle autre astuce, qui essayent de le mettre à la disposition de beaucoup, de faire profiter de telle ou telle autre communauté, de sa connaissance, de son savoir, et grâce à ça, ils arrivent, on va dire, à en soutirer quelque chose. C'est que moi, j'aimerais assez que vous fassiez, vous qui avez la possibilité, on va dire, de vous investir, de créer, on va dire, une certaine source de revenus, que ce soit mensuel, que ce soit hebdomadaire, que ce soit annuel. Il y a possibilité, bien sûr. Vous avez toutes les cartes entre vos mains. Lancez-vous-même sur YouTube. Vous êtes calé sur tout ce qui est cinéma, sur tout ce qui est football, sur tout ce qui est, on va dire, astuces de la vie, simplement, le recette de grand-mère, tout ça, là. Mettez ça à la disposition de personnes qui vous entourent, d'une communauté quelconque, pour essayer d'avoir une certaine source de revenus, en fait. Soit devenez influenceur, devenez, on va dire, analyste, je ne sais pas. Moi, pour essayer un tout petit peu d'avoir la possibilité de s'en sortir. Là, je martèle plus, hein, sur les étudiants. Les étudiants qui sont ici jouissent énormément du temps.
Il y a tellement, alors tellement du temps. Il y a certaines personnes qui en ont pris conscience, qui se sont lancées soit dans la comédie, mais c'est très difficile à savoir. Il y a certaines personnes également qui se sont lancées, on va dire, dans des vlogs, sur Instagram, devenir styliste, modéliste, soit modèle et tout et tout. Toujours dans le but de pouvoir rechercher, voilà quoi, une certaine source de revenus. Mais il y en a d'autres qui utilisent, on va dire, cette connexion en mal escient, simplement. Voilà, quoi. Pour de futilité, pour essayer un peu de s'épavaner, chose que je respecte, bien sûr. Mais ce sont les mêmes personnes qui affûtent leurs armes pour essayer un tout petit peu de revenir, hein, sur les personnes qui sont en Afrique, soit en extérieur, qui veulent bien venir ici. Comment concocter de recettes, concocter, on va dire, de plans. Comment mieux extorquer tel ou tel autre. On va dire, cet instant-là, cette maîtrise-là, on va dire, pour faire du mal à l'autre. Mettez ça, on va dire, en pratique pour de bonnes choses, on va dire, pour essayer de vous trouver une source normale de revenus tranquille, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur n'importe quelle plateforme. Au jour d'aujourd'hui, dans 2-3 clics, on a la possibilité de se faire beaucoup, alors beaucoup d'argent. Donc, donnez-vous cette peine-là de trouver votre hobby avant que cela ne devienne votre gagne-pain carrément. Aimez même les petites choses, hein, qui pourront nécessairement s'y révéler utiles pour vous apporter l'essentiel, pouvoir vous apporter la possibilité de vous créer une source normale de revenus. Donc voilà, family. C'est un peu triste également, hein, de voir, il y a tellement, tellement de nos sœurs, hein, qui se lancent dans des sites pornographiques pour essayer un tout petit peu de, voilà quoi, de se faire de l'argent facile, j'ai envie de dire, hein, en exhibant leur corps et tout et tout. Certes, ils ont trouvé que c'était la meilleure des sources de revenus possibles, mais je vous demanderai, il y a une autre façon beaucoup plus décente, hein, pour se faire de l'argent. Ne vous laissez pas attirer par tout ce qui brille, surtout ici là, hein, surtout en Occident. Chacun de vous a sa vie, chacun de nous mène, on va dire, la danse du mieux qu'elle peut, mais essayez un tout petit peu de lier l'utile à l'agréable. Vous avez la possibilité, on va dire, hein, de vous faire de l'argent dans n'importe quelle façon, n'importe quelle manière, mais choisissez la manière la plus décente et la manière la plus bonne pour vous, premièrement. Pourquoi? Parce que la jeunesse, elle passe, on va dire, et elle laisse place, on va dire, à la vieillesse. Et du moment où on arrive à mûrir chaque année, certaines choses qu'on faisait, on ne le ferait réellement plus, on va dire, dans un âge beaucoup plus avancé. Et le bêtise qu'on fait dans la jeunesse, ça rattrape toujours. Donc, saisissez la balle au bon, faites ce qui est mieux pour vous et ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Votre vie vous appartient. Et pour les étudiants, je reviens encore, vous avez tellement de temps en dehors de vos études, cherchez quelque chose de mieux à faire, on va dire. Devenez soit influenceur, devenez, on va dire, soit youtubeur, analyste, cela dépend que de vous. Certes, ça prend du temps, mais du moment où ça commence à générer quelque chose, vous serez le plus heureux. Ça, je vous le garantis carrément. On se revoit certainement dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Family, on ne peut pas s'élever un matin et devenir une star, on va dire, d'une vidéo qui fait le buzz, soit sur YouTube, soit sur Instagram, ce qui est sûr, et c'est que je ne cesse de répéter à chaque fois pour 2, 3 ou 4 copains carrément qui connaissent, qui maîtrisent, et tous ceux-là qui me connaissent, qui tomberont sur cette vidéo, on va dire, concernant ce que j'ai l'habitude de dire là. Big salam à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vivre en été. Ciao, ciao.